Today's healthy living will be presented in French with subtitles in Arabic, Olasese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Bonjour téléspectateurs débordants de vitalité et bienvenue à un autre épisode d'un mode de vie sain. Chaque jour, de plus en plus de gens s'intéressent à l'alimentation végétarienne et végétalienne qui apporte la santé et la paix. Ces nouveaux venus, ou ceux et celles qui envisagent d'adopter ces modes de vie, pourraient néanmoins se poser des questions. Qu'en est-il des besoins nutritionnels du corps? Eh bien, voici une experte en la matière, Madame Anne-Marie Roy, qui est diététiste nutritionniste végétalienne. Elle est diplômée de l'Université Laval à Québec, au Canada, et a coécrit un livre de cuisine, déjà meilleur vendeur, intitulé « Végétarien, mais pas légumes ». Ce livre propose plein de délicieuses recettes végétariennes. Et puis, grâce à son expertise en nutrition, Madame Roy a été désignée porte-parole officielle de l'Expo Manger Santé et Vivre Vert 2009. Ce salon s'est tenu à Montréal et à Québec et a fait découvrir les dernières tendances en matière de nutrition, d'alimentation biologique et de mode de vie sain. Retrouvons à présent notre correspondante de Supreme Master Television et Madame Roy. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Bon, bien, on est contente de t'avoir avec nous parce que ici, tu es vraiment une ambassadrice, je dirais, du végétarisme. Tu es engagée dans presque tout ce qui concerne le végétarisme au Québec. Et nous sommes très fiers de t'avoir avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions. Nous avons d'abord demandé à Madame Roy de nous parler des idées erronées que se font les gens peu familiers avec l'alimentation végétarienne et végétalienne. Et je pourrais dire qu'un des éléments importants aussi qui fait que les gens sont réticents à enlever la viande, c'est qu'ils ont peur de manquer de quoi que ce soit. Moi, je suis convaincue qu'il y a bien des femmes qui se forcent à manger de la viande encore. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus prêtes à devenir végétariennes peut-être parce qu'il y a une grande sensibilité, je ne sais pas, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient sur le bord. S'ils savaient qu'ils ne manqueraient pas de fer et qu'ils ne manqueraient pas de rien, je pense qu'on en aurait beaucoup plus. Moi, je dis tout le temps qu'il y a une grande carence chez les végétariens, c'est la carence en maladie. Les végétariens, c'est prouvé, je veux dire, si on regarde toutes les recherches qui ont été faites, les végétariens sont en meilleure santé que les non-végétariens. Si on regarde les cancers, les végétariens sont beaucoup moins à risque de cancer, que ce soit le cancer hormonodépendant, les cancers du sein, de la prostate, les cancers du côlon, tout forme de cancer. Les maladies cardiaques sont beaucoup moins fréquentes aussi chez les végétariens. En général, beaucoup moins d'obésité, beaucoup moins de problèmes rénaux, moins de problèmes intestinaux. La santé des végétariens se porte très bien. Si on regarde sur la planète, les études épidémiologiques, la plupart des peuples où on mange très peu de viande ou pas de viande sont en bien meilleure santé. Alors, si on va plus en détail au niveau des mythes sur le végétarisme, si on parle d'abord des protéines, tout le monde qui a peur de manquer de protéines dans un régime végétarien. D'ailleurs, c'est la première question qu'on nous pose. Hein. Quand on est végétarien, la première question, hein, puis ça, c'est à 90%, mais où est-ce que tu vas chercher tes protéines? T'sais? Ça, c'est un des plus grands mythes. Quand on regarde les trois nutriments essentiels à la vie, les nutriments, quand on dit les nutriments énergétiques, ce sont les glucides, les protéines et le gras. Et lorsqu'on regarde ces trois éléments-là, celui qui devrait être le plus abondant dans notre alimentation, c'est les glucides, les sucres. Et les sucres, en passant, sont produits par la photosynthèse, par les plantes. Donc, les végétaux sont la base, leur base alimentaire, ce sont les glucides. Donc, définitivement, ce qui doit être en plus grande quantité dans notre alimentation, ce sont les glucides, parce que c'est le carburant du corps humain. En deuxième, c'est le gras.
On a besoin de plus de gras que de protéines. On dit que les glucides devraient représenter à peu près 60 à 70 % de nos calories dans une journée. Le gras devrait représenter à peu près entre 15 et 25 % et les protéines 10 % maximum 15. Donc c'est la plus petite portion de nos calories qui devrait être des protéines. Et en Amérique du Nord, on en mange beaucoup plus que ça. Et on a encore peur d'en manquer. Même les végétariens, je dirais que les végétariens, c'est quasiment impossible d'avoir une carence en protéines, surtout si on mange à notre faim. Un végétarien qui mange à sa faim peut pratiquement jamais se ramasser avec des carences en protéines. Pourquoi? Parce que si on regarde chacun des groupes alimentaires, par exemple, les légumes contiennent à peu près un 15 à 20 % de protéines. Si on regarde leurs calories, c'est 15 à 20 % les légumineuses, c'est à peu près 20, 25, même des fois 30 % de protéines. Les grains, ça oscille entre 10 et 15, même il y en a qui vont jusqu'à 17 % de protéines. Les noix, ça oscille entre 13 et 17 % Donc, sont tous en haut de 10 % à part peut-être les fruits. Mais autrement, si on a une alimentation qui est moindrement balancée à travers les végétaux, c'est impossible d'avoir une carence en protéines. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter d'avoir peur. À notre retour, Anne-Marie Roy donnera plus de réponses aux questions fréquentes qu'ont les novices en végétarisme. Restez avec nous sur Supreme Master Television. À nouveau, bienvenue pour un mode de vie sain sur Supreme Master Television. L'émission d'aujourd'hui présente Anne-Marie Roy, une diététiste nutritionniste végétalienne très respectée au Québec, Canada, et co-auteure du célèbre livre de recettes végétariens mais pas légumes. Madame Roy aborde avec beaucoup de gentillesse des questions typiques que se posent les novices ou nouveaux adeptes de l'alimentation végétarienne ou végétalienne. Le faire, ça, les gens s'imaginent qu'ils vont donc devenir anémiques s'ils deviennent végétariens. Ça aussi, c'est un immense mythe parce que dans le fond, le fer est très présent dans les produits de source végétale, particulièrement beaucoup les légumineuses, les grains entiers, beaucoup les légumes verts en contiennent beaucoup. Je dirais, dans le fond, qu'est-ce qui fait que les végétariens souvent deviennent anémiques? C'est lorsqu'ils remplacent les viandes par des produits laitiers. Donc, c'est sûr que lorsqu'on met des produits laitiers dans une alimentation, on s'approche de plus en plus de l'anémie. Mais quelqu'un qui prend aucun produit laitier, c'est quasiment impossible, encore là, de manquer de fer parce que c'est omniprésent dans le règne végétal, le fer. Donc, il faut arrêter de s'inquiéter avec ça aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y en a pour la B12? Oui, c'est un conseil qu'on donne aux végétaliens, c'est-à-dire qu'ils ne prennent aucun produit de source animale, de s'assurer d'avoir une présence de vitamine B12, qui peut être boisson de soya additionnée de B12, qui peut être n'importe quel substitut additionné de B12, ou sinon, un supplément. Puis, qu'est-ce qui se passe au niveau du calcium? Bon, le calcium, ça aussi, c'est une autre peur. C'est drôle de voir comment les pays où on prend pas de produits laitiers. Si on regarde, par exemple, les peuples asiatiques, en mangent très peu de produits laitiers. Il y en a plusieurs qui sont intolérants. Et pourtant, les peuples asiatiques ont moins de problèmes d'ostéoporose qu'en Amérique du Nord, où on est des grands consommateurs de produits laitiers. Donc, on s'imagine encore que c'est les produits laitiers qui nous protègent de l'ostéoporose, et c'est totalement faux. Un bon exemple de ça, c'est les Esquimaux. Les Esquimaux sont des très gros consommateurs de calcium, et pourtant, c'est le record d'ostéoporose sur la planète. Pourquoi? Parce que ce sont des grands consommateurs de protéines. Pour ceux et celles qui n'ont pas une diète à base de végétaux et qui ne sont donc pas végétariens, la perte de calcium est un problème majeur. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus de liens à faire entre l'excès de protéines et l'ostéoporose que le manque de calcium. Donc, le fait qu'on soit des gros mangeurs de viande en Amérique du Nord, donc de gros consommateurs de protéines, ça amène une perte
de calcium urinaire et c'est ce qui nous amène à long terme à faire de l'ostéoporose. Donc, il faut regarder, oui, la portion calcium qui rentre, mais il faut aussi regarder ce qui sort. Il faut voir les fuites. Et souvent, les fuites de calcium, justement, c'est des excès de protéines, les excès de sel. On mange beaucoup d'aliments très salés. Il y a ça, les boissons gazeuses sont horribles au niveau des os. Donc, il faut arrêter de consommer des choses qui nous font perdre du calcium et consommer des bonnes sources de calcium. Et dans les végétaux, encore là, ça regorge de calcium. Si on regarde la famille des choux, moi, c'est mon dada, les choux, là. Il y a énormément de calcium, par exemple, dans le brocoli, dans le chou bok choy, le chou kale, le chou frisé, le chou colore. Donc, les choux sont une mine de calcium et le calcium des choux s'absorbe deux fois mieux que le calcium du lait. Bon, il y a aussi plusieurs légumineuses, dont les haricots blancs, qui sont d'excellentes sources de calcium. Les fèves de soya sont très, très bons. Tous les produits de soya, les boissons de soya contiennent des quantités astronomiques de calcium aussi. Le tofu, que ce soit toutes sortes de tofu, les noix, les graines de sésame, les amandes, il y en a du calcium dans l'alimentation végétarienne. Donc, il faut arrêter de s'inquiéter. Donc, ça, c'est un gros mythe aussi, que ça prend du lait pour être en bonne santé. Et puis, qu'est-ce qu'il y en est du soya? Bon, on entend souvent que le soya va causer les cancers. Alors, les gens disent, ah, mais il y a des estrogènes dans le soya, donc il faut arrêter d'en prendre. Ce qui arrive, c'est que les phytoestrogènes, les estrogènes du soya, font l'inverse de nos estrogènes à nous. On appelle ça des anti-estrogènes. C'est que lorsqu'ils vont se fixer sur nos sites récepteurs qui, normalement, sont occupés par nos estrogènes à nous, au lieu d'activer la prolifération cellulaire comme les estrogènes présents dans notre corps font, ils vont désactiver la prolifération cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le soya réduit nos risques de cancer au lieu d'augmenter comme nos estrogènes à nous. Les gens qui mangent beaucoup de viande, en général, ont un taux d'estrogène beaucoup plus grand. Ils produisent plus d'hormones. Et là, c'est pour ça qu'on dit que les végétariens ont moins de risques de cancer hormonodépendant parce que leur taux hormonal est moindre. Donc, il faut se rappeler que le soya, au contraire, est bénéfique au niveau de la prévention des cancers. Et d'ailleurs, il y a un gros rapport qui a été sorti par Food and Nutrition How to Prevent Cancer. C'est un énorme document qui a été fait en collaboration avec plus d'une centaine d'associations, dont l'Organisation mondiale de la santé, la FAO. Et on a fait un rapport de 4500 études qui ont été faites sur la prévention du cancer. On dit dans le résumé qu'une portion de soya par jour nous aide à prévenir les cancers. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si eux le disent, là, il faut vraiment les écouter. Lundi prochain, nous continuerons avec la deuxième partie de notre émission « Un mode de vie sain ». Anne-Marie Roy nous donnera des conseils pratiques sur la façon de choisir une alimentation saine. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cet épisode d'un mode de vie sain. Retrouvez ensuite « Science et spiritualité » tout juste après les nouvelles d'exception. Que le ciel nous bénisse tous de bien-être et de paix intérieure. Thank you for joining us for today's episode of Healthy Living. Coming up is Science and Spirituality following Noteworthy News. May heaven bless us all with well-being and peace of mind. For more details, please visit www.suprememastertv.com/HL.